Hey tout le monde, c'est la mort et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, oui pour une fois. En même temps, il y en a un par mois et là il y a peu de choses. Et encore, ça aurait pu être pire parce que j'ai acheté deux séries qui ne sont pas sorties ce mois-ci. Oui, je sais, t'as plus beaucoup de place et pourtant tu le fais quand même. Oui, mais vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et bizarrement, pour celui-là, bah, c'est réel en fait. Puisque je commence avec Power Gamer Adventure. C'est en gros Minecraft très modé, parce que t'as un Lucky Block. C'est en 4 tomes et oui, j'ai acheté les 4 tomes. Hein, voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de problème pour les avoir. Au passage, et vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner si c'est pas encore fait et mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Oui, j'en profite. Voilà. Pour celles et ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, maintenant vous le savez. Oui, je me dépêche, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose. Donc, est-ce que je vais prendre le temps de perdre du temps pour rien? Non. Parce que j'ai beaucoup de vidéos à tourner en ce moment. Alors, si, je vais garder le premier tome pour vous montrer le synopsis. Voilà. Vous l'avez ici, vous pouvez toujours mettre pause et lire vous-même. Parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, j'ai une petite idée en voyant la couverture. Enfin bref. Le suivant étant encore en cours, puisque cette fois-ci, c'est pas terminé, c'est Ghost Girl, du même auteur que, oui, vous l'avez deviné, Rosario plus Vampire. Alors, Rosario plus Vampire, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un animé que... Alors, l'animé, je l'aime bien, oui, il reste très déconnant, même si pour l'histoire, c'est pas l'animé qu'il faut s'arrêter, c'est plus sur le manga. Enfin bref, ça sera dédié sur une vidéo, c'est pas encore le sujet. Par contre, j'ai, comme vous pouvez le voir, un problème avec cet homme. Oui, ils sont dans le sens de lecture français. Voilà, vous l'avez là. Pourquoi c'est sur le deuxième et pas sur le premier? Me demandez pas, j'en sais rien. Et le troisième est très épais d'ailleurs. Voilà à quoi ça ressemble. Mais oui, c'est dans le sens de lecture français. Alors, je sais pas si l'édition de base, l'édition originale au Japon est comme ça, mais en France, on l'a dans le sens français. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprendrai peut-être quand je le lirai. Mais à l'actuel, ce n'est pas encore le cas. Encore le fameux décompte, il en manque plus que 3, hein, puisque là, c'est le 19 pour Bakemonogatari, le tome 19. Voilà, il est. J'aime beaucoup. Alors, j'en ai pas forcément parlé sur les autres parce que les covers sont sympathiques sans être extraordinaires. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, toujours les mêmes effets à chaque fois. Je les aime beaucoup. Et oui, là, je le retourne exprès. Puisque là, nous avons une cover réversible sur celui-ci. Alors, voilà. À quoi ça ressemble. Et oui, du coup, il en manque plus que 3 puisque ça s'arrête en 22 tomes. Olimiya, le tome 15, là, c'est l'avant-dernier, le prochain, c'est le dernier. Et oui, il y a un collector, je l'ai vu, vous l'avez vu, vous aussi, très certainement, puisque je l'ai fait tourner sur Twitter. J'ai retweet tout au moins sur le compte de Nobinobi, je l'ai retweet, ce qu'ils avaient mis. Donc je suis très content, et oui, je l'ai réservé. Forcément, je veux l'avoir absolument. Parce que j'aime beaucoup cette série. Alors, je l'ai pas forcément fait pour les autres, mais voilà le sommaire pour ceux qui veulent. Voilà. À quoi ça ressemble? Oui, cet achat manga va être court. Va être très court. Et le dernier et le 11e, enfin le dernier tome pour cette vidéo, et le tome 11 pour la série Le 8e Fils, oui déjà, ça arrive déjà au 11e tome, même si pour l'animé, on commence à être sur la fin de la saison 1. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et oui, nous avons des pages couleurs. Il y en a quelques-unes, voilà. Et c'est toujours par les mêmes personnes et toujours chez Delcourt, Tonkam. Comme pour Ghost Girl. Pour Power Gamer Adventure, c'est. J'ai oublié son nom. Pika pour Bakemonogatari et Nobinobi, comme je l'ai dit, pour Remiya. Et voilà! Et voilà ce que ça donne. Donc, oui, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup pour ce mois-ci, mais c'est pas très grave.
Il y en aura peut-être un peu plus pour le mois d'avril. C'est même à peu près sûr. Surtout qu'il y a un roman qui sort pour Assassin's Creed. Et en plus, là, il manque rien. Là, vous avez vraiment tout. Il n'y aura pas de mini achat manga en tant que short. Voilà, sur ce, j'ai bien assez parlé. Sur ce, donc, comme je l'ai dit, j'ai bien assez parlé pour cette vidéo. Surtout que là, elle est assez courte. Donc, sur ce, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mettre un commentaire si les séries vous les connaissez ou si vous les voulez. Moi, je compte personnellement lire celui-ci pour ce mois-ci. Ouais, oui, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte le lire dans les prochains jours. J'ai dit ça pour je suis un assassin et j'ai toujours pas lu le tome 5, donc bon. Mais il me semble que l'avoir déjà lu quand j'y ai repensé depuis, je pense l'avoir déjà lu, enfin bref. Et vous abonner, bien évidemment. Et également mettre la cloche, comme je l'ai déjà dit, pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Sur ce, c'était Lamborg. Regardez aussi la description. Voilà, parce que mes réseaux y sont et TikTok aussi. Donc sur ce, c'était Lamborg. Je vous dis à une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye.